Nancy Marmora est bien connue en France, aux USA, en Australie, en Angleterre. Son expérience de coach lui a donné l'idée de proposer des programmes de remise en forme plus particulièrement adaptés aux plus de 50-60 ans. Aujourd'hui, Nancy vous propose de faire de la marche active pour améliorer votre santé en entretenant votre forme. Cette séance est divisée en 3 blocs de 10 minutes chacun, d'un niveau équivalent, mais avec des chorégraphies différentes. Vous avez également la possibilité de faire pendant 15 minutes du stretching pour entretenir votre souplesse, une série facile d'abdominaux, et terminer par des exercices pour stimuler votre équilibre. En fonction de la nature du sol, n'hésitez pas à porter des chaussures de sport pour préserver vos articulations. Et pensez à vous hydrater régulièrement. Et maintenant, c'est à vous. Première séquence de marche active, marchez sur place. Tenez-vous droit, pensez à respirer régulièrement. Pensez à contracter les abdominaux. On ajoute les bras en opposition. Soufflez bien. Encore. On va changer de mouvement. Talons au sol. Deuxième. Pensez à souffler. On ajoute le bras en opposition à la jambe. Encore. Troisième fois. Dernière fois. On change de mouvement sur le côté. Deuxième série. Troisième. Quatrième. Maintenant, avec les bras. Soufflez. Troisième série. Reprenez, marche sur place. On inspire les bras en haut, expirez en bas. Encore, troisième fois. Encore deux. Dernière fois. On continue la marche. Marchez. Pensez à souffler. Tenez-vous bien droit. Allez, avec les bras maintenant. Deuxième série. Troisième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière série de marche sur place. On change de mouvement. Kick en l'air. Un coup de pied devant. Troisième série. Serrez les abdos, soufflez. Dernière série. On ajoute le bras en opposition. Soufflez bien. Si vous avez besoin, vous faites tous ces exercices sans les mouvements de bras. Ça sera plus facile, vous le ferez plus tard. On change de mouvement. Côté. On ajoute talon dans les fesses. Ramenez le talon dans la fesse. Maintenant, même mouvement, vous ajoutez les coudes. Tirez les coudes vers l'arrière. Attention à ne pas cambrer. Contractez les abdominaux. Dernière série. Et vous allez marcher sur place. Marchez sur place, inspirez. Deuxième.
Troisième. Allez, on marche, on continue. C'est la durée qui est importante. Dernière. Marchez sur place. Encore. Ajoutez les bras, dynamique, on souffle, encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier. On change de mouvement, jambes sur le côté, dégagez d'un côté, de l'autre, encore. On continue la même chose pour les jambes, on ajoute les bras, opposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 5, 6, 7, 8, continuez. On change de mouvement, côté. Déplacement latéral, pliez un peu plus vos jambes. Soufflez en même temps. On garde le même mouvement de jambes, on ajoute mouvement des bras. Extension des bras. Troisième série. Et vous reprenez, marche sur place. Récupérez. Troisième fois, encore. Pensez à inspirer. Marchez sur place. On continue. Toujours marcher. Tenez-vous bien droit. On ajoute les bras en opposition. Accentuez le mouvement des coudes. Levez plus haut les genoux. On change de mouvement le pied derrière. Dégagez la jambe derrière. Attention à ne pas cambrer. Pensez à contracter vos abdominaux. Encore. Maintenant, même mouvement en ajoutant le bras. Je vous rappelle, on peut faire tous ces exercices sans les mouvements de bras, que les jambes. Attention, changement de mouvement, côté. Élévation de genoux sur le déplacement latéral. Troisième série. On ajoute les bras. La main vient toucher le genou opposé. Encore. Et puis, sur place, inspirez vers le haut, expirez en bas. Encore. On continue, toujours la marche. Dernière ligne droite pour cette première séquence. Marchez. Soufflez bien. Allez, avec les bras. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière. On change de mouvement. Kick devant au sol. Gardez bien le dos droit. Encore.
Dernière série. Avant de mettre les bras, maintenant les bras. Toujours le bras opposé à la jambe qui bouge. Troisième série. Quatrième. Déplacement sur le côté. Côté. Troisième série. On ajoute les bras. Balancer. Deuxième série. Troisième. Marchez sur place. Inspirez. Expire. Encore marcher. Troisième fois. Inspirez. Expirez. Bravo! Vous atteignez les 10 minutes de marche active. Pensez à vous hydrater. Deuxième séquence de marche active, marchez sur place. Cercle de bras. Même chose dans l'autre sens. Premier sens. Deuxième. On va changer de mouvement. Élévation du genou. Alternez et tapez les deux mains sur le genou. Encore. Dernier. Changez de mouvement. Déplacement latéral. Et vous faites des petits cercles des bras. Encore. Dernière fois. Reprenez. Marche sur place. Cercle de bras. Dans l'autre sens. Troisième fois le cercle. Dernière. On change de mouvement, élévation de genou. Deuxième fois. Troisième. 4, 5, 6, 7, 8, dernière. 2, 3, 4, 5, 6. On change de mouvement, côté. Petit cercle. Encore ce mouvement. Soufflez. Et on va marcher sur place. Marcher sur place 4 temps. Accélérer sur 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Accélérer. Encore. 2, 3, 4. Accélérer. Bravo. On continue. Marche sur place. Pensez à vous grandir. On avance. Avancez 4 pas. 4 pas sur place. Reculez. 4 pas sur place. Encore. Reculez. On change de mouvement. Kick en l'air. Coup de pied de la jambe devant vous. Dernière série. Et on va changer de mouvement. Déplacement latéral. En même temps, vous soulevez le talon dans la fesse derrière. Et vous ajoutez mouvement des coudes vers l'arrière. On va reprendre les 4 pas en avant. Maintenant. 4 pas sur place. En arrière. Sur place. Encore. Sur place, en arrière, kick en l'air devant la jambe. Encore.
troisième série. 5, 6, 7, encore 1, 3, 4, 5, 6. On change de mouvement. Déplacement latéral, talon dans les fesses. Tirez les coudes. Troisième fois. En tout, il y en a 4. Dernière fois. Et on marche 4 pas sur place. On accélère sur 4. Encore. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Troisième fois. Accélération. Dernier. Marchez. On continue sur place. Pierre est bien. Continuez à marcher sur place avec les bras qui font en l'air, côté. Continuez. On souffle. Changez de mouvement. Élévation de genoux. Troisième série. Dernière. Et maintenant, mouvement sur le côté. Placez vos bras en chandelier. On ouvre et on ferme les bras sur le mouvement des jambes. Marchez sur place. Encore. Extension des bras. Côté. En l'air. Encore. Côté. En l'air, on change de mouvement. Encore. 1, 2, 3, 4, accélérez. Marchez. 2, 3, 4, accélérez. Dernière fois, marche. Accélérez. Marchez sur place. Récupérez quelques secondes, on va continuer. Marchez en avant. Marchez en arrière. 4 pas en avant. 4 pas en arrière. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. On va changer de mouvement. Dégagez l'arrière. Encore. On ajoute les mouvements de bras. Et puis, vous allez changer de mouvement. Déplacement latéral. En levant le genou. Encore. Dernière série de genoux. On reprend les 4 pas en avant, 4 pas en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 5, 6, 7, 8. Dernier. Dégagez derrière. Plus les bras si vous voulez. Attention à ne pas cambrer dans cet exercice. Dernier. On change de mouvement. Déplacement latéral, élévation du genou. Troisième. Dernier. Et on va marcher sur place. 2, 3, 4, accélération. 1, 2, 3, 4. Encore. Accélérer. Dernier. Marche sur place. Courage. On approche les 10 minutes de marche. Dernière séquence. Les bras. Extension. 3,
4, 5, 6, 7. Changez de mouvement. Élévation de genoux. Frappez les mains sous la cuisse. Troisième série. Dernière. On change de mouvement. Déplacement latéral. Vous allez faire deux pas en avant en diagonale, deux pas en arrière en diagonale. Encore. Reculez. En avant. Et on revient marche sur place avec les bras. Soufflez bien. Troisième. 4. On en fait 8. 5. 6. 7. 8. Élévation de genoux. Si possible, montez le genou un petit peu. Marchez sur place. Ralentissez. Très bien. Dernière séquence de marche active. Grandissez-vous, marchez sur place. On va marcher 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Allez, continuez. L'important, c'est de tenir. Encore. Cinquième fois. 6. On fait 12 fois ce mouvement. Soufflez encore. Reculez. Encore en avant. Reculez. On va changer de mouvement. Kick au sol devant vous. Deuxième. Troisième fois. Quatrième, on en fait 6. Cinquième. 6. Déplacement latéral maintenant. Côté. Deuxième. 3. 4. On en fait 8 de ce mouvement. 5. 6. Allez, soufflez. 7. 8. On change de mouvement. Élévation de genoux. Deuxième. Troisième fois 8 ans. Quatrième. On change de mouvement. Talon dans les fesses. Déplacement latéral, soulevez le talon. Contractez les abdominaux pour protéger votre dos. Cinquième fois. On en fait 8 en tout. 6. 7. 8. Et on va reprendre marche sur place. Allez, on tient bon. Troisième.
Quatrième. Reprenez 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Frappez dans les mains sur 4 et 8. Encore. Cinquième fois. 6. 7. 8. On continue sur ce mouvement. 2 fois ce mouvement. 1er retour, on change de mouvement, kick en l'air devant. 3e fois. 4e. Plus que 2 fois. Dernier. Et maintenant, déplacement latéral. Avec vos bras. Balancez vos bras sur le côté. Encore 4 fois 8. Plus que 3. Plus que 2. Dernière fois, on change de mouvement, élévation de genoux. Tapez les deux mains sur un genou. Encore. Dernière série sur ce mouvement. Et maintenant, c'est talons dans les fesses. Ajoutez, tirez les coudes vers l'arrière. En serrant les omoplates derrière. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, courage. Marchez sur place. Soufflez bien. On va reprendre 4 pas en avant et 4 pas en arrière. Allons-y. En arrière. 2e série. 3e. 4e. On reste sur ce mouvement. Pensez à souffler. Et dernière répétition pour ce mouvement. Et on va changer de mouvement. Kick en l'air. Vous ajoutez bras en opposition. Soufflez bien. Rappelez-vous, les bras ne sont pas obligatoires, on peut faire juste les jambes. Maintenant, déplacement latéral, bras en chandelier. Ouverture, fermeture des bras. Encore. Une fois. Knee up. Levez le genou. Vous mettez la main sur la cheville si c'est possible. Si c'est trop difficile, mettez la main sur le genou opposé. Et on change à nouveau de mouvement, talons dans les fesses.
bras en opposition, levez, pliez le coude. Encore. Ce mouvement nécessite une petite coordination, courage, ça va venir. Allez, les dernières fois. Marchez sur place. Troisième fois, marche sur place. Quatrième, vous ajoutez des cercles de bras. Dans l'autre sens. Profitez-en pour inspirer, expirer, encore. On change le mouvement de bras. Sur le côté, en haut. Alternez. Encore. On va changer de mouvement de bras, continuer à marcher, élévation latérale, des bras, coude fléchi. Troisième série. Quatrième. Marchez sur place, inspirez. Expirez en baissant les bras. Encore, marchez, inspirez. Expirez. On commence à baisser le rythme de notre marche. Récupérez. Vous venez de faire en tout 3 fois 10 minutes de marche active. Bravo! À présent, faisons des exercices de souplesse. Grandissez-vous, étirez le sommet de votre crâne vers le plafond en baissant les épaules. Ouvrez les paumes de main face à l'avant et relâchez. Encore, inspirez, redressez votre buste, contractez vos abdominaux en rentrant le ventre, étirez-vous vers le haut. Relâchez. Troisième fois, auto-grandissement. Redressez votre dos. Imaginez qu'on vous tire par le sommet du crâne. Et cherchez à descendre vos doigts dans le sol. Relâchez. Encore. Étirez-vous. Allongez le cou. Contractez les abdominaux. Dernière fois. Allez, on se redresse. On maintient la position quelques secondes. Et lâchez. À présent, mouvement de bascule du bassin. Genoux fléchis. Les mains sur les hanches. Basculez votre bassin en rétroversion et antéversion. Contractez les abdominaux pendant ce mouvement, rentrez bien le ventre. Le pubis part vers l'avant, puis le coccyx part vers l'arrière. Plusieurs fois. Expirez sur ce mouvement. Inspirez. Expirez. Inspirez. C'est plus facile de faire cet exercice, les genoux légèrement fléchis. À présent, pour les pectoraux, placez vos bras devant, inspirez en ouvrant loin derrière les bras, allongez les phalanges, fléchissez les poignets, refermez et soufflez, étirement du dos, genoux fléchis, fessiers contractés, arrondissez votre dos.
Reprenez. Inspirez. Ouverture des bras, ouverture de poitrine. Allongez les phalanges. Fléchissez les poignets derrière vous. Revenez. Inspirez. Expirez. Dos rond. Étirez votre dos. Troisième fois. Inspirez. Allez. Tirez vos bras vers l'arrière le plus loin possible. Fléchissez vos poignets. Et on alterne. Étirement du dos. Faites bien participer la tête au mouvement. Regardez votre nombril. Encore. Ouverture de poitrine. Étirez les muscles pectoraux. Revenez. Étirement du dos. Contraction des fessiers, contraction des abdominaux. Rentrez bien la tête. Revenez. Exercice pour les muscles du cou, les trapèzes. Bien grand. Inclinez la tête sur le côté. Cherchez à baisser l'épaule opposée à l'inclinaison en baissant cette main. Revenez au centre, de l'autre côté. Inclinaison de la tête et résistez pour baisser l'épaule. Encore quelques secondes. Revenez au centre. Premier côté. Inclinez la tête. Fléchissez le poignet opposé et tirez votre main vers le bas. Dernier côté. Inclinaison de la tête. La sensation d'étirement se situe entre l'oreille et l'épaule. Pensez à rester bien grand au niveau du dos, ne vous affaissez pas. Revenez au centre. Exercice maintenant pour les mollets. Placez-vous en position fente. Les pieds parallèles, une jambe fléchie devant, une jambe tendue derrière. Le bassin bien face, tendez bien le genou arrière, tendu. Cherchez à provoquer un étirement dans le mollet de la jambe arrière. Changez de jambe. Pliez bien la jambe avant, profondément. Et tendez bien la jambe arrière, c'est important. On reste en tout entre 15 et 20 secondes. Avant de changer, on refait cette première jambe. Vérifiez, le bassin reste de face. Dernière seconde. Et changement de jambe. Expirez. Pensez à souffler pour aider les muscles. Revenez. Un autre exercice qui va permettre d'étirer vos quadriceps. Vous attrapez votre pied et l'approchez de votre fesse. Si vous avez des problèmes d'équilibre, appuyez-vous contre un mur ou une chaise. Maintenez la position, ne cambrez pas, contractez vos abdominaux. Relâchez, on change de jambe. Cherchez à approcher le plus possible votre talon de la fesse. On refait cet exercice de chaque jambe avec un appui. Placez-vous,
et attrapez votre pied. Étirement. Contractez les abdos, ne cambrez pas. Gardez la position. Changez de côté. Essayez d'avoir les deux genoux côte à côte. Ne laissez pas les genoux s'écarter ou se décaler. Bien, relâchez. Pour les exercices suivants, vous avez besoin d'un tapis. Positionnez votre tapis au sol. Et installez-vous à quatre pattes. Soufflez dos rond. Inspirez, revenez dos plat. Soufflez dos rond. Inspirez, revenez dos plat. Soufflez, contractez les abdominaux en rentrant le ventre, serrez les fessiers, prenez appui sur les mains. Pour arrondir le dos, on inspire, on revient. On peut éventuellement changer la position des mains si vous avez les poignets sensibles. Expirez, dos rond. Inspirez, revenez. Encore. Expirez, dos rond. On change de mouvement. Positionnez-vous en dégageant une jambe devant vous. Position chevalier servant, je l'appelle. Basculez le bassin en contractant les fessiers. Puis décalez votre poids du corps vers l'avant et restez. Abdos contractés. L'étirement se fait devant la cuisse qui est au sol. On change de jambe. Chevalier servant, bascule du bassin, contraction du fessier et transfert du poids du corps. Restez dans la position. Toujours une respiration calme. On revient et on le refait une fois de chaque côté. Bascule du bassin en contractant bien le fessier, abdos contractés, ventre rentré, transfert du poids du corps, maintenez la position. Dernier changement, bascule du bassin, transfert du poids du corps, à nouveau. Et on reste. Revenez. À présent, étirement des adducteurs. Pour cet exercice, si la position assis par terre vous est pénible, asseyez-vous sur un petit banc. On se grandit. Rentrez le ventre. Serrez les genoux, puis écartez les jambes, étirement des adducteurs. Soutenez votre dos avec vos mains, maintenez la position. On reprend, pieds serrés, genoux serrés, auto-grandissement. Aidez-vous de vos mains pour vous grandir. Abdos contractés. Restez, baissez les épaules, ouvrez la poitrine. Et puis, étirement adducteur.
Dernière seconde dans cette position. On reprend. Auto-grandissement. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Baissez les épaules. Alternance. Étirement. Si c'est possible, vous pouvez faire l'exercice sans soutenir votre dos avec vos mains. Restez dos droit, sans les mains. Refermez. À présent, installez-vous, couché sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Vous allez tendre une jambe vers le plafond, placez vos mains derrière cette jambe et tirez avec douceur cette jambe vers vous. Soufflez, on maintient la position, épaules basses. Relâchez, on fait l'autre jambe. Tirez vers vous, expirez. Vérifiez que vos épaules sont basses et que la nuque est longue. Reposez. Encore une fois de chaque jambe. Tirez vers vous. Attention à ne pas soulever le bas du dos, gardez le bas du dos écrasé au sol. Posez. Dernière jambe. Attrapez un genou dans chaque main et en soufflant, vous tirez les genoux vers votre poitrine, puis vous soulevez la tête. Relâchez. Encore. Expirez, rapprochez la tête des genoux, rapprochez les genoux de la tête. Relâchez. Encore. Expire. Petite boule. Revenez. Pendant que vous faites cet exercice, pensez à rentrer le ventre. Reposez. Remettez les pieds au sol. Voilà, la souplesse est terminée. Allongez vos bras derrière vous et allongez vos jambes au sol de façon à augmenter votre cambrure lombaire. Profitez-en pour placer les mains sous cette cambrure, puis repliez les genoux pieds au sol. Les mains vont vous servir de repère. Vous allez devoir augmenter la contraction des abdominaux en rentrant le ventre, mais sans augmenter la pression sur vos doigts. Et relâchez. Ça fait souffler, rentrer le ventre, sans augmenter la pression sur les doigts, sans bouger le bassin. Relâchez. Soufflez, rentrez le ventre, contractez vos abdominaux, rétrécissez votre taille. Relâchez. Soufflez, rentrez le ventre, contractez les abdominaux, contractez le périnée, relâchez. Soufflez, rentrez le ventre, contractez les abdominaux, rétrécissez votre taille sans que le bassin bouge, sans augmenter la pression sur vos doigts, relâchez. On fait cet exercice plusieurs fois. Expirez. Rétrécissez votre taille, rentrez votre ventre, périnée contractée. On maintient quelques instants et on relâche. Encore, expirez,
rétrécissez votre taille, abdos gainés, relâchez. À nouveau, expirez, rétrécissez votre taille, rentrez le ventre, relâchez. Retirez vos mains et détendez un petit peu vos poignets. Autre mouvement, les mains sur les cuisses, élévation du buste, le plus haut possible, en gardant le bas du dos au sol. N'oubliez pas, avant de faire cet exercice, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On peut aussi le faire main derrière la tête. Donc au choix, expirez, rentrez le ventre, contractez le périnée, élévation du buste, ou main derrière la tête pour soutenir la tête. Soufflez, rentrez le ventre, contractez le périnée, élévation du haut du buste, on redescend. Encore. Soufflez, rentrez le ventre, contractez le périnée. Pensez à allonger la nuque, n'écrasez pas le menton sur le sternum. Expirez, on monte. Inspirez, on descend. Encore, expirez. Allez vers les genoux, on redescend. Les dernières répétitions. Pensez à contracter le périnée pendant cet exercice et on repose. Autre mouvement, genoux pliés sur votre ventre, les bras écartés sur le côté, inclinaison latérale des deux genoux. Servez-vous de vos bras, appuyez les bras dans le sol, pensez à rentrer le ventre. Pensez à souffler quand vous ramenez les jambes au centre. On inspire sur le côté, on expire quand on revient. Inspirez sur le côté, expirez au centre. Continuez ainsi. Gardez bien les épaules en appui sur le sol et les genoux le plus près possible de la poitrine. Expirez en revenant au centre, inspirez en allant sur le côté, expirez au centre. Très bien, reposez. Retournez-vous, placez-vous à quatre pattes. Le dos plat, on va faire travailler les abdominaux transverses. Il faut souffler et rentrer le ventre sans arrondir le dos. Relâchez le ventre. Expirez, rentrez le ventre, contractez le périnée, relâchez. Expirez, rétrécissez votre taille, contractez le périnée, relâchez la taille. Vous pouvez faire l'exercice en appui sur les coudes si vous avez les poignets sensibles. Expirez, rentrez le ventre, contractez le périnée, relâchez. Faites cet exercice à votre rythme de respiration. Expirez, rétrécissez la taille, contractez le périnée, tenez, relâchez. Encore, expirez, pensez à garder le dos plat. Le dos ne doit pas s'arrondir. Tout se passe dans le ventre, dans les abdominaux. Lâchez. Expirez, rentrez le ventre, rétrécissez la taille, contractez le périnée, on tient. Relâchez. Pour vous redresser, dégagez une jambe et redressez-vous. Exercice pour stimuler l'équilibre. Serrez les pieds et vous allez faire l'exercice du pendule. Vous devez
Décalez votre poids du corps vers l'avant et vers l'arrière de vos pieds, sans tomber. Vous allez à la limite du déséquilibre. Vous devez contracter les abdominaux et vous grandir dans le dos pour rester d'un seul bloc. Vous ne devez pas casser au niveau des hanches. Restez bien droit. On fait le même exercice latéralement. Transfert du poids du corps d'un côté et de l'autre. Attention à ne pas incliner le buste, mais bien à déplacer le poids du corps à partir des chevilles. Puis, on fait un cercle. Vous déplacez votre poids du corps derrière, sur le côté, en avant et l'autre côté. Même chose dans l'autre sens. Bien corps gainé, le plus grand possible et tirez-vous vers le haut. À présent, montez sur demi-pointe, redescendez. Vous allez chercher à être le plus stable possible. Prenez la force dans les abdominaux, contractez les abdos, rentrez le ventre, enfoncez les orteils dans le sol et poussez le plafond avec le sommet du crâne. Ne laissez pas vos chevilles bouger, gardez-les bien dans l'axe des orteils. On s'étire vers le haut par le sommet du crâne. On serre les abdos, on tient le plus longtemps possible. Encore. Plusieurs répétitions seront peut-être nécessaires. Courage. Montez. Poussez le plafond avec votre tête, enfoncez les orteils dans le sol, creusez les abdos. Dernière fois, montez. Allez, on tient. Posez. Plus dur, vous pouvez essayer de fermer les yeux. On monte, fermez les yeux une seconde, ouvrez les yeux, descendez. Montez, fermez les yeux, ouvrez les yeux, descendez. Montez, fermez les yeux, ouvrez les yeux, descendez. Encore montez. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, descendez. Relâchez vos pieds. Bravo!